spécialement rembouillé. Il y a un homme qui est là, il s'appelle Jésus. Il va séparer la foule de la lanterne en deux. Voilà. Merci, franchement. Merci Jésus, on peut l'applaudir encore, Jésus. My man, Jesus, my man, right here, Jesus, motherfucker. Ok, vous tenez bien que si on vous a tous réunis ce soir, si on vous a tous divisé en deux ce soir, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose d'assez important qui est en train de se passer dans notre société actuelle moderne. Vis-à-vis du climat de la société, vous avez remarqué que les gens n'arrêtent pas de se diviser et tout ça. Quelque chose qu'on ne peut pas supporter, nous, personnellement. C'est pour ça qu'on a décidé de vous séparer en deux tranquillement, entre deux camps très très opposés, le camp du pipi et le camp du caca, évidemment. Alors, il est encore temps de changer, mais attention, il est encore temps de changer, mais grouillez-vous le cul. Alors tous ceux qui sont du côté de Mathieu Bosso, à partir de maintenant, vous serez la team pipi. Le pipi! Attention, vous êtes la piste ici. Exact. Maintenant, je vais pas vous mentir, il va falloir que je sois très franc avec vous, tous ceux qui sont du côté de Jean-Jean Framboise. Vous serez la team caca! Ça va, le caca? Attention, vous êtes la merde aussi. Le caca, on fait plus de bruit que ça, le caca! Vous m'avez l'air prêt? Alors en haut, je sais pas comment ça s'organise. En haut, c'est quoi? C'est la chiasse? Ok. Bon, bah, vous êtes la chiasse. C'est toujours étonnant. Mais c'est vrai que c'est un mélange des deux, finalement, la chiasse. N'est-ce pas? Si, parce que c'est du caca liquide, c'est pour ça. Alors, maintenant, vous êtes prêts à effectuer ce wall of chiasse? Ça, c'est dédicace à vous, là-haut, sur ce morceau que lise ce titre que tout le monde intitule désormais Pipi versus Caca.